Bonjour Jean-Frédéric. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Jean-Frédéric Poisson, vous êtes un homme politique, candidat à la présidentielle 2022. Vous présidez le parti Via la Voix du Peuple, que vous avez créé en octobre 2020 dans la continuité de l'ancien PCD, Parti chrétien-démocrate. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume pour vous, en tout cas médiatiquement, même si on n'est pas aux 20h de TF1, on ne va pas du tout parler politique. Vous avez accepté d'aborder sans détour et sans tabou mes questions directes sur le sens de la vie, Dieu, la mort. C'est gonflé de votre part. Je voulais sincèrement saluer votre courage. J'espère que ça inspirera d'autres personnalités politiques de tous bords, bien que j'émets quelques doutes sur ça. C'est donc courageux, mais vous êtes bien armé pour parler de ces sujets. Je rappelle que vous êtes docteur en philosophie. Et tout le monde ou presque sait que vous n'hésitez pas à afficher votre foi catholique au sein même de votre engagement politique. Jean-Frédéric, souhaitez-vous ajouter quelque chose à cette brève présentation ? Merci donc d'abord de cette présentation. Une précision, nous n'avons pas, je n'ai pas créé le parti Via, c'est le Parti chrétien-démocrate qui a changé de nom. J'ai participé à la création de ce parti il y a 20 ans, aux côtés de Christine Boutin, qui en a été présidente pendant environ 13 ans, et je suis moi le président maintenant depuis 8 ans. Voilà, mais ceci mis à part, tout ça était très juste et merci de cette introduction. Vous êtes prêts ? Oui. Première question, la vie a-t-elle un sens ? Oui, et heureusement. Heureusement qu'elle a un sens. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de constater l'énergie que les hommes mettent à essayer d'en fabriquer un ou d'en trouver un quand ils n'acceptent pas de le recevoir, parce que c'est ça la question de l'existence. La vie a un sens, bien sûr, soit celui qu'on se donne, soit celui qu'on accepte de recevoir. Mais on ne peut pas vivre sans cela. Et toute la question, au fond, posée à l'homme moderne, qui n'a pas que des dimensions individuelles, mais également des dimensions collectives, c'est au fond de savoir si on accepte l'idée, simplement l'idée, qu'effectivement, nous pourrions ne pas être propriétaires du sens de notre vie. Est-ce qu'il pourrait se faire que quelqu'un d'autre que nous ait assigné à notre vie un sens ? Et si oui, que serait ce sens ? Moi, j'ai passé une vingtaine d'années de ma vie sans avoir l'idée que ce sens pourrait être au-delà de la terre et s'appeler le paradis. Quand j'ai été converti un peu avant l'âge de 20 ans ou à l'âge de 19 ans, j'ai compris qu'il y avait un enjeu à ce que l'âme dont je suis sujet puisse, avec également... mon corps, un corps un peu en meilleur état que le mien, puisse trouver la vie éternelle. C'est intéressant, vous avez dit que vous avez été converti. Bah oui, parce qu'on c'est toujours, oui. Oui, d'habitude, on dit « je me suis converti », mais on est en général, on est un peu tiré par le col, vous savez, ou un peu bousculé, c'est plus ou moins brutal selon les circonstances, mais tous les convertis vous diront, qu'ils soient très connus et devenus très saints, ou qu'ils soient plus modestes, et moins connus vous diront que quelqu'un est entré dans leur vie, presque par effraction. Alors, il était le bienvenu, mais on s'en est rendu compte après, mais sans prévenir en tout cas, et par effraction, pour notre bien, et nous a fait comprendre justement que tout ne pouvait pas se résumer simplement à l'existence terrestre. Donc, si je devais répondre par une seule phrase à votre question, oui, la vie a un sens, mais ceux qui s'acharnent, volontairement ou pas d'ailleurs, à essayer désespérément de trouver un sens à la vie terrestre qui n'aurait pour limite que la vie terrestre, évidemment, tombe dans le désespoir. C'est le drame de nos sociétés modernes, c'est de ne pas imaginer qu'il puisse y avoir quelque chose au-delà de la mort. C'est d'ailleurs pour ça que la mort est un scandale, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'accepte pas qu'elle existe, c'est pour ça qu'on la repousse, qu'on la cache, qu'on cache nos vieux, nos handicapés, nos mourants, etc. Enfin, tout ce qui nous rappelle cette idée de la mort ou de la déchéance, même... on l'écarte de notre regard parce qu'on ne veut pas regarder ça. C'est trop difficile. Quel sens donneriez-vous de manière générale à la vie ? Pas donneriez-vous. Quel sens avez-vous vous a-t-il été donné ? Ah mon Dieu ! Ben, celui d'abord de travailler au salut de mon âme, parce que je pense que, comme les grands philosophes grecs, on avait l'intuition avant le christianisme. Que nous aurons un choix à faire à un moment de notre mort entre deux types de vie éternelle que nous voulons vivre ou dans l'amour ou dans le ressentiment.
C'est ça le choix qui nous sera posé. Et je pense, comme beaucoup de philosophes classiques là aussi, que ce que résume la belle phrase de Montaigne, philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est-à-dire, c'est faire l'apprentissage que tout ne se joue pas ici et que, sans une espèce d'attention particulière portée au bien de l'au-delà, il est difficile de vivre quiètement, comme diraient les classiques, tranquillement et sans trop d'inquiétude, sans trop d'inquiétude, la vie terrestre. Sinon, sur un plan plus quotidien, c'est la question du service et de l'amour. C'est ça qui est essentiel. Et la connexion entre les deux est évidente. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que l'harmonie qu'on peut vivre dans une existence, elle est assez facile à décrire, elle est beaucoup plus facile à réaliser, mais elle est assez facile à décrire. Aime ton prochain comme toi-même et aime Dieu par-dessus tout. C'est assez simple, en réalité. Après, à vivre tous les jours, c'est plus compliqué. Mais enfin, à dire, c'est assez simple. Merci. Parlons maintenant de ce quelqu'un que vous avez évoqué tout à l'heure, de Dieu directement que vous venez d'évoquer maintenant. La deuxième question, Dieu pour vous, c'est ? Une personne, d'abord, pas une idée. Une ou trois ? Ah, ça, pas en une, mais ça ne me paraît pas tout à fait être le lieu de rentrer dans ce genre de considération, à supposer que je puisse le faire très longtemps. Mais non, c'est d'abord une personne, c'est quelqu'un qui m'aime, c'est celui qui m'a créé et qui me sauvera. C'est celui qui me donne le modèle de mon existence, celui que je suis invité à imiter en étant certain de faire ce qu'il faut de ma vie si je l'imite. C'est très précieux d'accepter d'avoir un modèle dans l'existence, vous savez, c'est comme d'avoir un maître. Là encore, malheur à cette modernité qui prêche le fait de ne pas avoir de maître et de n'avoir personne à imiter par souci d'affirmer son indépendance, son autonomie, etc. Ça doit être très douloureux, très, très, très compliqué, très, très difficile à vivre au fond. Est-ce que on n'emploie pas certains maîtres aujourd'hui qu'on pourrait appeler par exemple la science avec un grand S? Alors ce sont plutôt des, c'est-à-dire ce sont des maîtres à penser, mais pas des maîtres à imiter. Comment dire, là encore, dans la tradition philosophique, on sait bien que l'imitation en morale, il y a un manuel d'ailleurs de philosophie morale, s'appelle le modèle en morale, quelque chose qui est très extrêmement puissant, extrêmement fort, et c'est d'ailleurs toute la difficulté de la tâche éducative et toute matière pratique, y compris d'ailleurs l'exercice de la vie publique. De quoi souffre la vie publique aujourd'hui, sinon d'un manque cruel d'exemplarité de nos responsables politiques, et donc ils ne sont pas des modèles à imiter, alors ils n'ont jamais été peut-être complètement, mais même pas sur le plan du courage, même pas sur le plan de l'engagement, même pas sur le plan de la sincérité. Ils ne donnent envie d'être qu'on leur ressemble, au fond. Et ce serait certainement un des drames de la vie moderne, là encore. Donc, pour moi, Dieu, c'est tout ça. C'est pas du tout le père Fouettard, c'est pas du tout quelqu'un qui me contraint, c'est pas quelqu'un qui me fait la morale. J'entends souvent ça aussi. J'avais une conversation il n'y a pas très longtemps avec un de mes confrères philosophes qui me disait « Mais ça doit être très frustrant d'être chrétien, parce que il y a cette espèce de morale qu'il faut imiter à laquelle on n'arrive jamais complètement. » Et je lui dis, mais moi, je ne suis pas catholique pour la morale. Ce n'est pas la morale qui me sauve. Ce n'est pas ça mon problème. Ça ne me donne pas le droit de faire n'importe quoi, mais le principal de l'existence n'est pas là. Nous savons que nous sommes imparfaits. Nous savons que le monde est imparfait. Nous acceptons cet état d'imperfection du monde et de nous-mêmes. Et c'est précisément pour ça qu'on travaille, on essaie de travailler à l'améliorer tous les jours. Sinon, on n'aurait rien à faire. Ou alors, on serait condamné définitivement. Donc, dans les deux cas, ce serait désespérant. Ça serait terrible. Merci pour cette deuxième réponse. Troisième question. Après la mort, stop ou encore ? Encore, mais d'autres choses et autrement. Je ne crois pas du tout en la réincarnation. Je ne crois pas. Là aussi, les Grecs étaient persuadés que l'histoire était un cycle qui recommençait éternellement et qu'on se reverrait, c'est dans quelques dialogues de Platon, Socrate dit « nous reverrons dans quelques temps au même endroit à faire les mêmes choses, enfin de manière un peu… » Je ne crois pas du tout à ça. Je crois que, comment dire, notre vie terrestre est un passage, un moment de notre vie, et notre vie se conjugue dans les deux dimensions. Nous sommes de passage sur Terre, nous sommes attendus ailleurs. Et en réalité, toute notre
notre responsabilité personnelle, c'est d'ailleurs à la fois vertigineux et très simple, consiste à profiter de ce passage sur Terre pour nous préparer à la vie au-delà. Un certain nombre de grands maîtres spirituels pensent même que la qualité de notre vie dans l'au-delà dépendra pour une large part de la qualité de notre vie terrestre. Alors, je ne parle pas du salaire ou des conditions matérielles, je parle de « vous valez ce que vaut votre cœur », disait un pape récemment, et tout cela fait partie des écrits, même de l'Ancien du Nouveau Testament. Au fond, c'est la qualité du cœur qui fait tout. Et en fonction de cela, eh bien, nous accéderons à une vie qui sera absolument merveilleuse, formidable, et qui n'aura pas de fin, et qui sera une vie amoureuse avec un grand A et de joie intense. On ne peut même pas la décrire. Je ne sais même pas ce que je vous dis très clairement quand je suis en train de vous dire ça. Je comprends simplement que ce sera infiniment plus satisfaisant que tout ce qu'on peut imaginer comme satisfaction spirituelle ici sur Terre. Donc, ça vaut vraiment le coup d'être vécu. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait de sa vie. Il faut monter dans ce train-là. C'est pas possible autrement. Enfin, sinon, on passe à côté de quelque chose qui est terrible. D'ailleurs, je pense que nous sommes faits pour ça. Nous sommes appelés à ça tous, sans exception, et y participeront avant moi et peut-être plus que moi, si ça a un sens, même des personnes qui n'ont jamais rencontré Dieu toute leur vie, parce qu'elles auront une vie exemplaire, admirable, pleine d'engagement, pleine de service et d'amour du prochain. Elles auront rencontré Dieu, en fait, sans s'en rendre compte, d'une certaine façon, mais voilà, c'est ouvert à tous, c'est pour tout le monde, et pas simplement pour ceux qui auraient eu le privilège d'avoir conscience, d'avoir rencontré tout ça dans leur vie au moins une fois. Ce que vous venez de dire est important pour vous. On peut ne pas être catholique et accéder à cette vie éternelle. Ah, bien sûr. C'est oui. C'est important de le dire, parce que c'est pas toujours. Évidemment qu'on peut. Encore une fois, si. Alors, je pense que c'est plus facile. C'est infiniment plus facile quand on a la chance d'avoir le modèle et qu'on le suit, et qu'on s'en nourrit, parce qu'il y a en plus ce mystère très particulier à la religion chrétienne, au fond, de se nourrir, même physiquement, de la vie du Christ. Mais pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de le rencontrer, il y en a beaucoup, malheureusement, pour des tas de raisons, ou qui auraient eu cette opportunité, mais qui ne l'ont pas saisie, parce que la vie est faite de choses extrêmement fugaces, hein, vous savez, c'est parfois quelques instants qui changent le cours d'une existence. Je crois pas que comment dire, le Père éternel soit méchant au point de priver de la vie éternelle celui qui simplement aurait regardé au mauvais endroit pendant une demi-seconde, qui n'a pas vu passer ce qu'il aurait dû voir passer. Je crois pas ça du tout. Je pense que il est d'abord toute miséricorde, et que sa miséricorde s'exercera aussi, peut-être même davantage, sur ceux qui n'ont pas eu la chance consciemment de le rencontrer. D'ailleurs, notre manière à nous d'être père, pour ceux qui sont pères, je pense que ça peut donner des indications sur ce que peut être une paternité parfaite, peut-être. C'est ça. Oui, ou un gouvernement parfait, par ailleurs aussi. Gouvernement parfait. Les deux sont liés. Merci, on a passé les trois grosses questions. Un petit peu de détente sur les deux dernières. Oui. Quatrième question, un personnage spirituel qui vous a marqué ? Incontestable, il y en a plusieurs. Le premier, saint Thomas d'Aquin, parce que c'est mon maître. Il est docteur de l'Église, c'est une des plus grandes intelligences, sans doute, que la Terre ait portée. C'est un philosophe de très très haute volée, un théologien absolument hors pair, une des très grandes figures du Moyen-Âge culturel. Et Dieu sait que le Moyen-Âge culturel a porté de grandes figures, contrairement à ce que pensent un certain nombre de barbares et d'un culte. Le Moyen-Âge était tout sauf une période noire où il n'y avait pas de place pour l'intelligence. Enfin, tout ça sont des sottises. Il suffit de regarder un peu là. Simplement de se promener un quart d'heure dans une bibliothèque pour se rendre compte que il y a beaucoup, beaucoup de choses intelligentes qui ont été publiées à cette période-là. Et saint Thomas d'Aquin fait partie de ceux qui ont largement contribué. Il a par ailleurs enseigné à la Sorbonne. C'est l'université où j'ai fait moi-même une partie de mes études de philosophie, donc je ne peux pas ne pas être sensible à ça. Dans la même lignée, j'ai été converti sous le pontificat de Jean-Paul II, qui m'a accompagné de 1982 jusqu'à sa mort, donc pendant plus de 20 ans.
De ma naissance jusqu'à ce le vrai pape, enfin le pape que j'ai connu et qui m'a accompagné dans le dans mon accroissement personnel, c'est lui. Et donc, comment dire, c'était une là aussi un saint immense, une des très grandes figures intellectuelles du XXe siècle, sans doute une des plus grandes. Homme de théâtre, homme politique d'une très grande puissance, très grand spirituel. Enfin, on s'étonne même pas qu'il ait été canonisé pour le coup. Homme de paix, à qui sans doute l'Europe de l'Est doit pour une partie sa liberté d'aujourd'hui. Et les pays pauvres, beaucoup de pays pauvres le rentraient aussi dans le concert mondial davantage qu'avant qu'il n'ait été pape. Donc son œuvre est immense et très très importante et très intéressante pour moi qui suis à la fois un apprenti philosophe et un apprenti homme politique. J'ai là un maître en l'espèce qui d'une certaine manière a fait les deux. Et puis une figure spirituelle peut-être un peu moins religieuse, mais extrêmement puissante, je veux parler de Vaclav Havel, parce que la manière dont cet homme a fait la révolution dans son pays, tout en douceur d'une certaine façon, avec une force de conviction et une patience incroyable, confine à quelque chose de presque saint. L'humilité et la patience de cet homme, alors qu'il n'était sans doute pas sans défaut, si on parlait à des gens de son entourage, il lui en trouverait sans doute, mais qui n'en a pas ? Mais ce qu'il témoigne par son action et par ses écrits d'humilité et de patience, qui sont les deux très grandes vertus qu'on peut acquérir dans la vie politique, pour peu qu'on accepte de s'en enrichir, sont absolument exemplaires. Donc voilà, c'est deux très grandes figures religieuses, de très grands intellectuels et hommes politiques qui m'ont marqué, et Vaclav Havel. Puis une mention spéciale, si je me permets la fin de ce catalogue, qui pourrait s'allonger parce qu'il y en a tellement, mais pour Saint-Benoît, dont... les fils m'ont accueilli quand j'étais un tout jeune croyant, tout jeune converti, et m'ont permis d'entrer dans l'Église par la voie des monastères bénédictins, qui est une voie royale et très privilégiée. Donc, merci à eux de conserver cette tradition depuis maintenant 16 siècles bientôt. Merci pour ce petit catalogue. Dernière question. Le livre... ou le film, hein, si vous avez une idée de film, que vous recommanderiez à un ami en perte de sens ? Eh bien, je crois que je l'enverrais justement vers simplement l'Évangile de Saint Jean. J'ai toujours été frappé de l'impact que ce texte a sur les personnes qui ne sont pas spécialement croyantes ni pratiquantes. J'entends encore Luc Ferry dire à la télévision, il l'a fait plusieurs fois d'ailleurs, que le texte le plus beau qu'il ait jamais lu de sa vie, c'était l'Évangile de Saint Jean. Il y a quelques raisons à ça. Je suis évidemment, je comprends très bien pourquoi il dit ça. Pas simplement en raison du prénom que je porte, qui est une révérence aussi à la sainteté de Jean l'apôtre, Mais c'est probablement, oui, un des plus beaux textes qui ait été écrit parce que il y a dans Saint Jean à la fois toute l'humanité de Dieu et toute la puissance de son salut et de ça. Enfin, tout y est. Je peux pas vous dire autrement. C'est pas qu'il y en ait moins dans les autres. Je vais pas me fâcher avec les trois autres évangélistes. Je ne peux pas me payer ce luxe, mais je pense que je dirais ça. C'est à la fois un texte magnifique, un texte qui montre comment on peut être en rupture avec son temps, comme c'était le cas de Jésus-Christ, et produire une œuvre et une action si efficace, quelle efficacité il a sur les âmes. Puis ce texte parle au cœur, tout simplement, quand on le lit, et pour peu qu'on accepte de s'y arrêter un peu. Mais je lui dirais, il faut que tu prennes ça, mais il faut le mâcher. Vous voyez, il ne faut pas simplement se contenter d'en faire une lecture comme on lit un peu le journal le matin dans le métro. Il faut s'y arrêter, il faut y revenir, il faut baigner dedans un petit peu. Et puis il faut lire en parallèle de la Genèse aussi. Il faudrait tout lire à ce moment-là, si vous y allez par là. Bien sûr. Bien sûr. Il s'intéresse à la cosmologie, etc. Et je dirais, l'Évangile de Saint Jean, qui me paraît, pour ceux qui sont en perte de sens, si vraiment vous en êtes au point de me demander quelque chose à lire, alors faites-moi confiance et lisez ça. Très bien.
Un film ou on en reste sur l'évangile de Saint-Jean? Alors un film, je ne suis pas très cinéphile, pour tout vous dire, ça n'est pas mon genre de beauté. Mais je me souviens que j'ai vu il n'y a pas très longtemps un très beau film sur Saint Paul, qui est passé d'ailleurs à la télévision. Il me semble il y a 1 ou 2 ans, j'ai vu ça peut-être pendant le confinement, il y a 1 an et demi. Et j'avais trouvé très très beau, je suis incapable de vous dire le titre. Mais ça c'est pour le sens là encore spirituel, puisque c'est l'objet de notre entretien d'aujourd'hui. Un des premiers films que j'ai vus quand j'étais adolescent encore, c'était au ciné-club, je devais être en classe de première ou de terminale peut-être, c'est Citizen Kane d'Orson Welles. C'est un film extraordinaire. Alors, les cinéphiles disent que c'est une des œuvres majeures de l'histoire du cinéma, parce que sur le plan technique, paraît-il qu'il y a des contre-plongées, des gros plans, enfin, il y a des choses dont j'ignore absolument tout, mais ils disent ça en tout cas, donc je leur fais confiance. Il y a quelques plans qui sont absolument saisissants, et c'est l'histoire de la quête de gloire et de puissance d'un homme, le fameux Kane, je crois que son prénom c'est Charles dans le film, mais sous réserve, Monsieur Kane, qui est un homme très puissant, qui met toute son énergie à conquérir du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir, et puis qu'on le voit mourir. Le film est une rétrospective en fait de son existence. On le voit mourir en restant attaché à sa mémoire d'enfant avec un petit traîneau qui était avec un bouton de rose, enfin voilà, des choses qui sont voilà, d'existence. Donc ça veut dire le sens de la vie n'est pas nécessairement là où on le cherche, et qu'il est probablement davantage dans des choses qui sont au-delà de la puissance, de la gloire et de l'argent, et probablement qui plongent très profondément dans les racines qui sont les nôtres. Voilà quel est, je crois, l'enseignement de ce film. Et là encore, si on veut ne pas tout de suite plonger dans l'évangile de Jean, on peut passer par Citizen Kane ou par le film sur Saint-Paul. On peut passer par Citizen Kane, qui est une belle école de morale. Je trouve qu'il y a une très grande richesse à pouvoir regarder ce film et à méditer dessus. Bon, je pense que la boucle est bouclée. Bon. Merci, merci infiniment pour toutes ces belles réponses. Avec plaisir. J'espère qu'elles nourriront tous les auditeurs qui auront la chance du coup de tomber sur votre vidéo. Avec plaisir. Merci beaucoup. Auditeurs et à une prochaine fois. Merci Merci beaucoup. et avec plaisir. Merci. Merci bien.